Bonjour ou bonsoir selon votre position et merci de suivre votre magazine Le Perron. Le nouveau directeur pays de la Banque mondiale est reçu cette semaine par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Il répond au nom de Rachid Pertev. Il devait prendre ses quartiers en N'Djamena depuis juillet 2020. La fermeture des frontières à cause de la pandémie de la COVID-19 a retardé l'arrivée de Rachid Pertev au Tchad. C'est sur ses épaules que repose désormais la responsabilité de donner du rythme aux bonnes relations entre le Tchad et le groupe de la Banque mondiale pour les 4 prochaines années. Pour bien entamer sa mission, il veut s'assurer de l'alignement de ses actions aux priorités du Tchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, lui a donné une vision plus claire et détaillée de ce que le Tchad veut accomplir à court, moyen et long terme. La nette compréhension qui s'est dégagée permettra de consolider le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale, avance Rachid Pertev. La priorité que nous avons, c'est de consolider notre portefeuille, avoir des priorités beaucoup plus claires et avoir des projets d'une taille beaucoup plus importante et aligner le programme de la Banque mondiale avec les priorités du gouvernement. Et je crois que nous avons les mêmes priorités et nous sommes sur la même longueur d'onde. La bonne entente entre le maréchal du Tchad et le représentant résident de la Banque mondiale est à l'image des bons rapports que les deux parties entretiennent depuis des années, témoigne de cette vivacité. Le volume de projets financiers qui a augmenté ces dernières années gardera sa tendance, énonce Rachid Pertev. Le programme de la Banque mondiale au Tchad a triplé. Et maintenant, nous sommes dans le site de IDA 19 et c'est doublé encore. Nous avons maintenant 745 millions de dollars, sans compter des guichets régionaux, sans compter des guichets secteur privé. Et c'est un montant assez important. Ce sont des nouveaux financements à investir. Conforté par les orientations et la satisfaction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, quant à la qualité des interventions de la Banque mondiale au Tchad, Rachid Pertev, de nationalité turque, sait ce que le Tchad attend de son institution. C'est à quoi il va s'atteler durant sa mission, qui consiste entre autres à mettre en œuvre le cadre de partenariat pour les exercices 2019-2023, à maintenir et renforcer les bonnes relations de travail avec le gouvernement et les autres parties prenantes au Tchad. Il remplace à ses postes François Nankobogo, qui a passé 3 années au Tchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé également une audience aux directeurs généraux de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Les échanges ont porté sur les priorités du Tchad en matière de développement. BADEA, FAGAS, voici un partenariat qui va faire parler de lui dans le prochain jour en matière de projet de développement au Tchad. La naissance de cette collaboration innovante est portée à la connaissance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, par les docteurs Sidi Oulta et Ngueto Tiraina Yambaye, respectivement directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Ils ont exposé au président de la République les contours de ces partenariats stratégiques qui, d'après Dr Sidi Oulta, va soutenir le Tchad dans ses différentes priorités de développement. C'était l'occasion d'écouter attentivement les instructions de son Excellence relatives aux priorités du gouvernement tchadien pour les années à venir dans le cadre de la coopération bilatérale avec la BADEA, avec les autres institutions du fonds de coordination, du groupe de coordination arabe. Nous avons aussi discuté du portefeuille actuel et de la mise en œuvre satisfaisante du projet PADELFIT, du programme PADELFIT, dont nous avons signé hier la convention de financement relative à la seconde phase. Et j'ai réitéré à son Excellence l'engagement de la BADEA et du groupe de coordination pour continuer à apporter tout leur appui au Tchad. Et nous avons aussi présenté le partenariat stratégique entre la BADEA et le FAGAS,
qui vont travailler main dans la main pour aider le secteur privé tchadien à prendre la place qui lui revient dans le cadre de développement économique et social du pays. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, en s'associant à la BADEA, partenaire stratégique du Tchad, fait savoir son directeur général Ngueto Tiraina Yambaï veut apporter des idées nouvelles au gouvernement et au secteur privé tchadien pour mieux capter les financements sans lesquels les projets ne peuvent être exécutés. Premier tchadien à occuper le poste de directeur général du FAGAS, Ngueto Tiraina Yambaï revient dans son pays après 100 jours de fonction. Il a mis à profit cette audience pour remercier le maréchal du Tchad pour le soutien du gouvernement lors de sa désignation. Le nouveau directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, notre compatriote, Dr Ngueto Tiraina Yambaï, nous en dit un peu plus sur l'objet de sa mission. Après 100 jours de fonction comme directeur général du FAGAS, il est de mon devoir de venir officiellement remercier le maréchal du Tchad pour tout le soutien que j'ai bénéficié pour pouvoir accéder à ce poste au niveau international dont je suis le premier responsable. Nous sommes venus avec mon frère Dr Sidi Oulta, qui est le directeur général de la BADEA, mettre en œuvre notre partenariat stratégique pour soutenir les pays africains. Et ce partenariat commence par le Tchad. Donc ça également, c'est un engagement du FAGAS et de la BADEA de continuer à soutenir le plan national de développement que porte actuellement le président de la République. Le plan national de développement, il reste encore un peu plus d'une année. Donc on vient soutenir le gouvernement et soutenir le secteur privé avec des idées nouvelles pour pouvoir amener le secteur privé à mieux bénéficier des financements. Vous savez sans doute que le secteur bancaire est naturellement frileux en termes de crédit productif. Et le rôle du FAGAS est d'apporter des garanties, partage des risques avec les banques locales et la BADEA également, qui a une longue expertise en matière de financement de développement, accompagne le gouvernement en s'associant au FAGAS. C'est une nouveauté, c'est une innovation qu'on a fait et le président de la République, le maréchal du Tchad, nous a donné des nouvelles orientations sur les axes précis qu'on doit continuer à soutenir le Tchad l'année prochaine et dans le prochain plan national de développement. Donc c'est l'objet de notre mission. Nous avons travaillé avec le ministère de l'économie, de la planification de développement et de la coopération internationale pendant 2 jours. Ensuite avec le secteur privé, donc la chambre de commerce et l'ANI. Et nous avons parlé également comment renforcer l'assistance technique du Tchad, l'expertise nationale pour pouvoir amener les opérateurs tchadiens à avoir des projets bancables. C'est un plaisir en tant que tchadien que le partenariat stratégique entre le FAGAS et la BADEA démarre dans mon propre pays. Une délégation du groupe CFE, conduite par son administrateur Renaud Benteja, est venue à la rencontre du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La relance des chantiers exécutés par CFE en N'Djamena a constitué bien sûr l'essentiel des discussions. Bien implanté au Tchad, le groupe CFE a exécuté plusieurs chantiers en N'Djamena. Il s'agit entre autres de l'université de Toukra, du Grand Hôtel, ainsi que l'immeuble inachevé du ministère des Finances au quartier N'Djari. L'audience accordée par le maréchal de Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à la délégation du groupe, conduite par son administrateur, Renaud Benteja, a un seul objectif, redémarrer dans les meilleurs délais tous les chantiers restés inachevés et au besoin entamer les nouveaux chantiers tels que l'université de Toukra 2. Selon l'administrateur du groupe, cette audience lui a permis d'expliquer de vive voix au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, la situation des infrastructures dans son entreprise à la charge au Tchad. Le maréchal du Tchad s'est réjoui de la qualité du partenariat entre l'État et le groupe CFE ayant abouti à la construction de plusieurs infrastructures en N'Djamena.
une entrevue entre la délégation du groupe CSE, conduite par son administrateur Renaud Bentedia, et le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a lieu incessamment. Sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a lieu au palais présidentiel la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Ce sont les mêmes personnalités, à savoir ministre et directeur en charge des différents services pourvoyeurs de recettes de l'État, qui se sont retrouvés ce 21 octobre face au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Ils ont examiné et évalué ensemble par département ministériel les recettes et dépenses du trésor public. Peu avant de lever la séance, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a porté à la connaissance de l'assistance des instructions capitales émanant du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Primo, interdiction absolue au gouverneur de province de faire appel des fonds dans les trésoreries provinciales. Tous ceux qui l'ont fait doivent les rembourser. Secondo, interdiction formelle aux douaniers de s'adonner aux courses poursuites et ou de saisir les marchandises en ville. Les contrôles et saisies doivent s'opérer au cordon douanier. Tertio, levée immédiate de toutes les barrières douanières anarchiques à l'intérieur du territoire, tranche le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Se confiant à la presse à l'issue de la réunion, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, déclare que les services pourvoyeurs de recettes sont instruits à redoubler d'efforts. Nous avons regardé la situation des recettes régie par régie. Il a été question, suivant les très hautes orientations du maréchal et du ministre d'État, que les régies redoublent d'efforts. Nous entamons la dernière ligne droite. Donc il n'y a pas à traîner ou à chômer ou bien à manquer de vigilance. À la fois en termes de recettes, mais aussi en termes de dépenses où on va être davantage plus dur, notamment pour ce qui concerne les recettes dans les provinces et les dépenses dans les provinces. Donc c'est un appel à plus de mobilisation, à plus d'engagement pour remplir toutes nos obligations à la fin de l'année. La prochaine réunion devant scruter les recettes et dépenses du trésor public aura lieu dans 15 jours. C'est acté, elle sera désormais bimensuelle. La commission interministérielle consacrée au projet d'ouverture du capital social du groupe Sotel Tchad s'est réunie également la semaine dernière sous la présidence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Il est décidé de l'ouverture du capital du groupe Sotel Tchad à hauteur de 60%. Le groupe Sotel Tchad se porte aujourd'hui à merveille grâce à une restructuration réussie et une redynamisation menée avec brio. Sur instruction du maréchal du Tchad, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle devant mener à bon port le processus d'ouverture du capital social du groupe. Ce vendredi 16 octobre, cette commission s'est réunie sous la présidence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a l'effet de discuter des modalités pratiques de l'ouverture du dit capital, comme le confirme Dr. Idriss Saleh Bachar, ministre des Postes et de l'économie numérique. Sous la conduite et les orientations du maréchal, il nous a été orienté, et ce qui est tout à fait normal, de dire qu'il faut falloir qu'on arrive à redynamiser avec le secteur privé. Ce qui nous pousse aujourd'hui à lancer un appel d'offres en bonne et due forme pour l'ouverture du capital du groupe Sotel Tchad. Pour parvenir à ce stade d'ouverture du capital du groupe Sotel Tchad, l'État tchadien a dû recourir à plusieurs mécanismes. Nous avons fini avec le processus de la restructuration qui avait consisté à réduire les charges de la société. Particulièrement, nous avons mis en place un plan social
qui a permis de faire économiser à la société 60% de tout ce qui est masse salariale. Et les dettes aussi ont été prises par l'État. Maintenant, la société est, du point de vue structurel, financier et économique, est viable. L'importance et la viabilité de l'économie numérique n'est plus à démontrer de nos jours. C'est un secteur vital. Le ministre des Postes et de l'économie numérique lance un appel en direction des investisseurs privés. La réunion d'aujourd'hui a consisté à faire une analyse pour faire en sorte que les 60% des actions puissent être mises à la disposition des privés, particulièrement, pourquoi pas, des privés tchadiens. Et nous leur lançons le challenge et le défi de dire que la SOTEL est une société nationale et que l'État veut se désengager à 60%. Il va falloir que le patronat tchadien, c'est l'occasion de venir prendre les actions et investir dans le numérique à travers la SOTEL. Ce qui est sur l'appel d'offres que nous allons lancer, ça sera un appel sans concession. Le privé tchadien comme l'international peuvent soumettre les appels d'offres, mais nous lançons un appel assez particulier à nos investisseurs tchadiens pour que la SOTEL soit en tout cas lancée dans les meilleurs délais. Les éléments constitutifs devant permettre de lancer l'appel d'offres international étant réunis, la commission interministérielle les rendra publics incessamment. La 13e édition du prix de l'excellence s'est déroulée la semaine dernière au palais du 15 janvier sous la présidence de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. La cérémonie s'est déroulée en présence des lauréats, leurs parents et des officiels, au rang duquel le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Des ordinateurs, des enveloppes allant de 400 000 à 1 million de francs CFA, des cartes bancaires et bien d'autres cadeaux, c'est la composition des prix remis au meilleur bachelier de cette année. Ils sont 100, toutes séries confondues. Vient en tête le meilleur des meilleurs, le jeune Hamad Ismail Guiré du lycée Ibn Sina, avec une moyenne de 17,44 série C. Pour ce qui est des filles, c'est Abir Abakar Tidjani du lycée Ibn Rushd qui détient le record avec 16,56 de moyenne série A4 arabe. Ces deux bacheliers, tout comme le 98 autres ainsi que les 5 meilleurs établissements en termes de taux de réussite, ont été célébrés. Ils font la fierté de toute la nation et incarnent l'émergence prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dira le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Oudengar David, conseillant les lauréats à bien choisir leur formation et à garder le chemin qui les mènera à la réussite professionnelle. Cette journée d'excellence est la vôtre. Et nous vous demanderons de bien choisir votre formation de demain, car elle va vous guider et vous orienter vers le chemin de la réussite universitaire et professionnelle. Dans la vie qui vous attend, vous rencontrerez parfois des moments de doute et serez peut-être tenté par une certaine résiliation. Dans ces moments-là, pensez à cette cérémonie et surtout à Madame la Première Dame du Tchad, Hinda Déby Itno, et vous trouverez la force, j'en suis sûr, de relever tous les défis qui se présentent à vous. Pour le ministre Oudengar David, les résultats de cette année sont le reflet des réformes innovantes mises en œuvre par l'ONEX, Office national des examens et concours, évoquant les conditions exceptionnelles dans lesquelles se sont déroulés les examens de cette année. À un certain moment, beaucoup de parents, d'étudiants et d'élèves se posaient des questions sur le sort de l'année scolaire. Est-ce que l'année sera validée dans ce contexte de pandémie du Covid-19? Mais par la grâce de Dieu et par la volonté du maréchal du Tchad et du gouvernement, nous avons réussi à surmonter toutes les difficultés et l'année a été ainsi sauvée par l'organisation de tous les examens et concours dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie coronavirus.
Les sacrifices consentis par le gouvernement et tous les autres acteurs sont loués par la première dame Hinda Déby Itno, qui voit dans la réussite de l'organisation de la cérémonie et des examens cette année une preuve de la capacité des Tchadiens à être résilients face aux défis de diverses natures. Selon elle, il est du devoir de tous d'encourager les meilleurs bacheliers qui se sont distingués par leur travail, tout en faisant part de la détermination du pouvoir public à assurer une formation de qualité aux jeunes. La marraine du prix de l'excellence a laissé entendre qu'il ne serait pas possible de bâtir une nation forte sans s'aimer le levain du travail bien fait chez les jeunes, jeunes qu'elle a exhorté à être des modèles, à persévérer dans la quête du mérite, à hisser le nom du Tchad dans le domaine des études et de la recherche. C'est en mère comblée par la réussite de ses enfants que la première dame Hinda Déby Itno a remis le prix, notamment aux deux meilleurs des meilleurs, avant le rituel de photo de famille. Un extrait de la déclaration de la première dame Hinda Déby Itno, marraine du prix de l'excellence. Chers lauréates, chers lauréats, grâce à votre ardeur, à votre persévérance au travail, vous voici aujourd'hui parmi les excellents que la nation célèbre. En dépit des perturbations qu'a connu l'année scolaire 2019-2020, vous avez démontré que le travail et la recherche de l'excellence vient toujours à bout des difficultés rencontrées. Je vous félicite pour vos efforts. Je suis fière de vous, sachant que vous serez les futurs artisans du développement de notre beau pays. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et semer les graines de l'excellence. La récompense que vous recevez aujourd'hui est une exhortation à persévérer dans la quête du mérite et du travail bien fait. Dans bientôt, ici ou ailleurs, vous deviendrez des ambassadeurs du Tchad. Ayez de ce fait toujours la tête haute. Oui, ras kumfo pour faire hisser le nom du Tchad. Pour faire hisser le nom du Tchad dans le domaine des études et des recherches, parce que vous êtes le Tchad de demain. Un Tchad admiré et respecté par le travail de ses filles et de ses fils. Si le Tchad d'aujourd'hui est envié et a sa voix dans le concert des nations, celui de demain dépendra de vous. Alors, debout et à l'ouvrage, étudiez et revenez nous éclairer par vos potentialités et talents, que vous deviendrez des médecins, des ingénieurs, des journalistes, des agronomes, hôteliers, vous resterez et serez les promoteurs de développement de ce beau pays. C'est le lieu ici de féliciter le gouvernement du Tchad pour tout ce qu'il déploie comme moyen à la disposition de la jeunesse, mais aussi et surtout les ministères en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre possible l'organisation de l'examen du baccalauréat cette année, alors qu'on ne s'y attendait pas, compte tenu du fait que les conditions d'études ont été sérieusement ébranlés par la pandémie. Vous aviez réussi à réaliser cet immense exploit. Mais, Monsieur le Ministre, le défi reste toujours, puisque le coronavirus circule toujours parmi nous. Donc, tout doit être mis en œuvre pour éviter la contamination de COVID-19 dans nos écoles et universités. C'est un rappel. Nous sommes au mois d'octobre, un mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. Engageons-nous tous aux côtés de la première dame Hinda Déby Itno pour informer, sensibiliser et lutter contre les cancers. Sachez aussi que le virus de la COVID-19 continue par circuler. Protégez-vous et protégez vos semblables en respectant bien sûr les mesures barrières.
Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. À la semaine prochaine, bien sûr, pour un autre numéro de votre magazine, Le Père.